social des femmes en ville comme en milieu rural. Ainsi, une force multisectorielle sera constituée en vue d'éradiquer, du moins de réduire les obstacles des préoccupations liées au vécu de la femme. Le combat en faveur de la promotion, de la défense des droits des femmes demeure une priorité absolue. Les bureaux de la Chambre des députés encouragent les femmes à participer pleinement aux jeux démocratiques en vue du renforcement des institutions de l'État, particulièrement en participant aux élections pour que le quota minimum de 2% des présences féminines réclamées à juste titre dans les institutions cesse d'être un leurre. Je salue la présence des femmes présentes à la cérémonie du jour. D'abord, les invités, celles qui vont être honorées pour leur apport à l'avancement du pays. Félicitations et courage, mesdames. La persévérance est la clé du succès. Je salue aussi les femmes parlementaires qui, aux côtés des collègues masculins, font bouger les choses à la Chambre des députés. Moi, ça vient toute forme qu'à protéger ou activité bien marché en la Chambre des députés. Monsieur, c'est bien aussi cette invitation qui m'a été faite par la Commission de la Chambre des députés pour participer à cette activité ce matin, qui se fait en honneur de commémoration de la Journée internationale des femmes. Je félicite cette initiative et toute autre initiative prise durant ces jours pour célébrer ce jour. Je suis plus qu'honorée comme ministre de la Jeunesse, des Sports et Action Civique de participer. Je suis sûr que le président de la Chambre des députés aura également son message à passer. Et il me reste non seulement encore une fois féliciter cette initiative, continuer à encourager la lutte et parler de la vie des femmes pour arriver à avoir une réelle égalité et une équité en matière de sexe. Il faut passer de cette discrimination qui des fois est même positive pour les femmes. Femmes de l'île, nous renvoyons, nous remplissons nos cafés. C'est que nous continuons même, tout le monde accepter, tout secteur accepter, et que nous sommes capables de jouer droit et devoir. Bonne fête à toutes et encore une fois, merci. Je pense qu'il faut passer de la parole aux actes. Donc je dis à tout qui ça, dans le protocole par le Est-ce que les hommes
les femmes, pour qui ça c'est la domination et les droits de l'homme, et de la femme. Donc vous pensez qu'il y a un ensemble de représentations sociales de nous ne parlons de nos comptes, de nous faire. Pour qui ça, nos sociétés, on est en train de les enquêter, pour qui ça va être identifié la caille, ces garçons et les hommes. Donc au centre des problèmes, je dis à société, la caille, société nous allons tous supposer à poser des questions qui continuent à aller. Donc pourquoi c'est une journée internationale comme ça, c'est éduquer nos éducatifications et les contemporains, il y a une fédération sociale qui va garantir pour nous amener au droit de vote, etc. Donc nous avons été une fois la commémorer pour l'éducation, tout qui proposait pour nous, qui côté bataille, formes sorties, qui sont batailles de société, qui ne sont pas batailles femmes. Des fois, femmes à prendre des femmes, et des fois, garçons à prendre des femmes. Donc, ce sont des problèmes de société. Et dans une internationale comme ça, nous pensons ces problèmes ça, nous nous posons, pour qu'ils savent que l'administration là, il y a plus de garçons à ces femmes. Donc, dans toute institution, tout collègue de l'argent l'État, l'argent de l'argent public, même qui est engagé pour que nous commençons à regarder l'égalité pour un garçon qui sait un problème qui est crucial dans la société, qui est un problème qui est important. Et des fois, même dans les discours officiels, il y a des côtés, il y a juste des salariés, des garçons, des gens, il n'y a pas de problème. De fonder, etc. Donc, on est dans un contexte extrêmement difficile. Nous avons ici, pratiquement, une famille qui vient ici, nous cinq. Mais c'est ça, nous-mêmes, notre famille parle, c'est dans le Sénat, c'est venu. Et nous, les femmes, on a parlé chez moi, nous disons, moi, t'es jeune, et là, t'es chaud, parce que c'est ici que chaque piste doit avoir. Chaque groupe doit s'y attirer. Donc, si vous voulez arriver, pour les gars, pour les professeurs, pour la gagne. Je ne pas la communauté qui a réussi. Ouais, il y a tout cas de signature dans son plan. Donc ça a été des réalités. Ouais, il y a des choses fortifiées, activation. Je dis, il n'a pas de technologie, fortifiée, activation. Et à travers le jour, pour les gens qui ont le marché, etc. C'est très important dans l'économie. Mais on commence tout à garder des formes professionnelles à tout niveau, des formes qui ont inventé, des formes qui ont écrit dans la plateforme à connaître les fois du livre, etc. Il faut de plus en plus exposer plus de femmes. Donc je dis là, parce que ce sont des problèmes de société, nous ne parlons pas du droit, mais d'abord au niveau du gouvernement. Présence moi à côté député, collègue, commissaire dans commission spéciale sur amendement constitution avec représentant en pile gros organisation qui défend droit moun, c'était pour nous recevoir aujourd'hui officiellement dans mes proposition que a fait nous sur question amendement constitution. Aujourd'hui nous gain des représentants du Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, CAD, M. Gédéon là à côté nous. Nous avons le Réseau national de défense des droits humains qui est présent, RNDDH. Nous avons la Commission épiscopale nationale justice et paix, CJLAP. Et nous avons la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH. Donc nous recevons un document dans le qui sont aide-mémoire, qui fixe ses positions sur l'amendement constitution et qui dit nous exactement comment on est sur l'amendement, qui est pour mettre, qui est pour retirer, qui ça pour ajouter, qui ça pour corriger. Nous remercions M. Gédéon Jean pour le travail qu'il a fait dans défendre droit monde dans le pays. Nous remercions toute organisation qui te répond présent, qui te répond à l'invitation pour participer dans l'Oumblé, dans la consultation nationale, ça, pour que l'amendement qui vient reflète ce qui sorti dans notre trip, dans notre travail, toute organisation, tout secteur qui gagne dans le pays. Nous avons rappelé la presse que le 29 mars 2018, c'est la date que nous allons remettre le deuxième rapport. Deuxième rapport, ça, intitulé Ce que pense la nation. Ça veut dire que c'est une compilation
de toutes recommandations, de toutes propositions que nous recevons de tout secteur, il y a une façon pour nous faire bagarre avec transparence pour tout le monde connaît, mais ça secteur demandé dans la question amendement constitution. Et puis dans fin année, maman Pemba a venu, maman Pemba, et bien ces propositions que nous pourrons faire sous amendement constitution. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous parce que tout les secteurs droits humains et dans la vie nationale, ils ont décidé pour mettre tête ensemble. Pour yon ban nou yon document complet sou jan yon pense que amendement doit faire. Si kan la constitution pour amender, qui ça pour yon quitter. Bon, c'est que c'est très intéressant parce que depuis un certain temps, nous commençons avec des consultations un petit peu partout, avec tous les secteurs de la vie nationale. Bon, c'est que journée aujourd'hui, nous arrivons dans un point côté, nous pour aller préparer rapport d'étape nous. Que nous allons remettre très bientôt le 29 mars. C'est un document qui est porté académique, côté que d'abord nous analyser les deux courants de pensée qui prédominent dans la question constitution en Haïti, à savoir courant de pensée, école de pensée qui pour une nouvelle constitution et l'autre école de pensée qui pour les amendements. Donc nous-mêmes, organisation droit de l'homme, RNDDH, CRDH, POHDH, CJLAP, nous inscrivons dans la démarche école de pensée qui pour nous apporter des amendements à la Constitution. Qui est-ce qui est dans le document? Document d'abord lié à une portée générale, côté que nous faisons des considérations sur ce processus-là, côté que nous estimons que son processus qui entamé d'abord, qui au début, en toute transparence, et que nous félicitons la Commission, côté qui permet que tout secteur de la vie nationale soit capable de participer à la dynamique-là, et nous dire aux anciens de travail que nous avons avec eux, nous avons souhaité que la dynamique ça, continue en ce sens que le processus-là fait en toute transparence. Ça, c'est une première considération. Maintenant, en termes de considération générale toujours, nous essayons de garder portée constitution en matière de droits de l'homme. Parce que nous-mêmes, avant tout, nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Donc nous estimons que son constitution qui gagne une dimension importante en matière de droits de l'homme, encore que son constitution qui gagne dur des droits de l'homme en dans la constitution. Autrement dit, il faut qu'il y ait des droits qui s'imposent à l'État en termes d'obligation. Parce que l'État, c'est le premier détenteur d'obligation en matière de droits de l'homme. Lors de ces amendements, il faut créer un noyau dur des droits de l'homme, c'est-à-dire un ensemble de droits qui s'opposent, qui s'imposent même à l'État. Et en termes de considération générale, nous pensons qu'il faut qu'il y ait le régime politique actuel là, avec notamment les questions et premier ministre là. Et nous ajouter encore, il faut que les amendements soient limités. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout résoudre à travers des amendements ou une législature. Donc il faut que les amendements soient limités. Dossier jeunesse là qui a parti à Chili, est-ce qu'elle a continué à fermer bouche sous lui? Est-ce qu'elle a continué à fermer les yeux sous lui? Je dis à me penser, quand elle arrive à nos niveaux, nous gagnons ambassadeur nous qui est Chili, même dans l'opposition avec nous, mais me penser, je dis à. Problème, ça c'est problème peuple haïtien. Il faut qu'ambassadeur haïtien qui Chili, qui a dit, qui a dressé son rapport pour le dire président, mais qui ça a passé jeune nous au Chili. On ne croit pas qu'on ait un pile jeune, c'est sous place publique qui a dormi. Je dis, moi-même, je vais un message à les jeunes, ça a pris une humiliation dans le pays Chili. Je dis, venez la caille nous. Venez la caille nous, même là, nous connaissons pas bah, nos chances. Nous mettons tête nous ensemble pour nous goûter, pour nous forcer le système de corriger tête nous. Pour nous forcer le système de nous. Même genre, attendez. Nous avons quitté, nous avons rentré la caille pour nous faire une bataille avec le système de nous, pour nous faire le système de nous corriger caille. Parce que là, nous quittons le pays, nous avons pris une humiliation là-bas. Non seulement nous blesser, mais même nous. Mais moi-même, comme un sénateur qui sorti dans la classe défavorisée, moi-même, quand j'ai mis un salivé, je me tout, moi qui douleur, moi qui humiliation après, pendant l'exécutif là, lui-même qui gagne moun, lui mette dans l'ambassade là pour qu'il t'accompagne nous, il abandonne nous, moi-même, m'a dit nous pas besoin de retourner la caille nous, c'est la caille nous, vini pour nous goumer. Vini pour nous goûter, pour nous faire Haïti, ça nous toujours éveillant. Nous connaissons pas facile pour jeunes nous, nous connaissons pas facile pour moun qui. Activité département dans lutte contre criminalité dans Gonaïve, 5 mars 2018, la police Gonaïve a arrêté 3 individus qui ont fait un attaque à main armée, 1er mars dernier, contre Ronsard Mondésir, qui est propriétaire en pharmacie dans la ville. 21 février, il y a 7 personnes que la police Gonaïve a arrêté.
dans l'opération que l'a mené l'Ester, Mounzao a été soupçonné d'association de malfaiteurs avec trafic de marijuana. Il y a un individu qui a arrêté tout pour assassinat de un chauffeur de 73 ans dans l'altercation et monsieur blessé tout par balle. On l'autre individu qui est Auguste Sénob. Dans le cadre d'affaire ça, la police gonaïve a cherché un acolyte activement qui est Jean-Will qui était là tout le forfait à exécuté. À Kenskoff, on a des gros problèmes de cambriolage à Kenskoff. La police Kenskoff a arrêté Django, c'est non ça que monsieur gagne. Dans Robin, qui est une section communale de Kenskoff. Deux d'un complice lié qui s'est orlié avec Séraphin et avec renfort commissariat Thomasin, il a arrêté M. Douette, de M. Sayo Douette. Donc, je vais répondre de Sayo accusé. Dans le sud-est, 24 février, il y a quatre individus, disons cinq individus, qui sont impliqués dans une agression contre deux policiers qui ont affecté garde-côte, et dont Yon s'est. C'est dans l'enterrement papa qui était sorti, un agent 4 avec un agent 1. Et il y a eu un bon rara. Et puis, monsieur, il a besoin de passer. Et puis, là, il a essayé de faire ce passage-là. Et puis, il y a eu agressé. Il y a un ladder qui prend des coups de fer dans la tête. Il en résulte quelques traumatismes. Mais et la police sud-est a ouvert une enquête automatiquement. Et il y a un agent 4 là, lui-même, qui était déplacé, vine. Solliciter concours l'autre policier et dans la recherche que la police fait, bah, elle a été passée 11 février, troisième jour gras, deuxième jour gras, je crois, et puis le résultat a tombé là 24 février. Côté que il a arrêté 5 personnes, il y a deux là-dedans qui étaient pris des armes policières à Calavère, monsieur Sayo, elle peut juste font Jean-Noël. C'est Eugène Edison et Pierre Jeff. Métier à service d'ordre, 27 février, non. Utmo zone n'a été obligé de dépêcher la petite anse pour contrôler manifestation de l'ensemble d'élèves qui étaient très surexcités. Élèves ont manifesté dans le cap haïtien, petite anse à Klimbé pour réclamer présence professeur, comme nous te connaissons. Dans le nord-ouest, c'est le même scénario. C'est agent rappelé à port de paix, côté que tu as une opération de maintien d'ordre, côté élèves lycée, tu as arraché barrière, bureau départemental finance avec éducation, et l'ordre est rétabli. Le 26 février, manifestation. T'es fait en fait deux victimes côté que gain on passant avec un élève qui était blessé par un jet de pierre. La police était escortée dans la même région ça dans les rues de Port-de-Paix, la mort du professeur du lycée Tertullien Guilbeault qui t'a réclamé paiement salaire. Enfin, le gros de la sécurisation pour ce mois de février, c'est l'événement le 29e sommet intersectionnel CARICOM que la police était sécurisé au la main avec un pile succès. L'administration de la police, qui était commune depuis 2003, la police ouvert un commissariat, parce que le pas de gain jusqu'à présent, à part le tribunal de paix à l'État, c'était presque qui existait depuis 64 ans, pas de gain représentation de l'État en fait dans la zone, à part le tribunal de paix. Ça. Donc la police prend place en dedans commune. Ça. Effectif la police là à ce jour, les 18002, parce que assez souvent dans des moments d'information, à finaliser. Phase terminale là, on a parlé de formation qui vous faites au niveau des départements pour permettre que vous utilisez nouveaux outils informatiques que la police a déployés pour rendre les plus efficaces et pour aller plus vite dans le domaine administratif en particulier et permettre que le terrain opérationnel là soit capable d'agir avec beaucoup plus de célérité. On a tout annoncé tout que prochainement, nous gagnons. Nous avons une cohorte de que la police, membre du corps médical de la police, parce que nous connaissons que la police a comme projet ouvert en l'hôpital et il était ouvert en recrutement. Là, nous sommes en phase d'embauche. Nous finissons de recruter Mounio, dépouillement fait, pour nous allons embaucher et nous allons prendre formation à partir du 5 avril qui t'a donné date de sortie du commissaire de police en dedans l'académie. Maintenant, pour un message particulier, vous nous finissez. Un message particulier, il y a un policier, Alex Alcena, Alex Junior, qui est involontairement blessé par balle. Et par la suite, nous apprenons que l'entrepreneur a mouru l'hôpital. Ronnie Jacques, dans l'altercation que M. Teguin a avec un chauffeur de taxi,
et 22 février qui sont passés. Depuis leurs armes, je ne pas gagner pour ça. Donc, direction département du Nord-Est en particulier, la police, direction de la police en général, a exhorté M. Ogani pour si vous venez expliquer sur la circonstance de l'incident. Passer délai, sans délai, il faut venir faire ça, sinon il a considéré comme un fugitif et l'a traqué quand pour un monde qui fuit responsabilité, d'autant plus que l'avec examen la police non même. Maintenant, l'autre bagarre qu'on a parlé de lui, dans un message particulier, c'est interdiction n'a pas rappelé. Alors, on mémoire d'homme qui a sorti sous question, qui pourrait rappeler les policiers, obligation de réserve que vous avez par rapport à la déclaration que vous êtes capable de faire dans la presse en particulier. Les policiers, ils ont tout ça le pensé en dedans, en Saint-Lan, mais la police là fait formuler c'est un manquement à restriction qui gagne sous droit d'expression. Qui formulé d'ailleurs dans le règlement de discipline générale, et c'est un manquement tout à l'obligation de réserve qui est formulé dans tout cadre et quatrième catégorie ou troisième catégorie de infraction ou bien mauvais comportement qu'un policier capable de faire. On a dit que nous. Cuba. Parce que Cuba nous avons une communauté vaudou, côté et fait vaudou haïtien. À soi, nous avons comblé. Nous n'avons qui l'était créole là, côté Yézoudia, Lilé, Evans, Paul, Capi. Et c'est une révolution. On sont révolutionnaires. Ils continuent à faire révolution toujours. Ils ne sont pas de même forme. Mais l'évolution continue.
Comme dit nous, il fait créer centre remembré Bois-Caïman. Ça veut dire que l'évolution a continué. Alors, et Vox Paul, c'est une membre de la PIA qui reconnaît que KMVA, son institution, doit être traitée en institution. C'est M. Tarr, que n'a pas de là, avancé là, pour tout pour nous, qui a payé tout de Haïti, nous t'aimons pour mourir. Lui-même. Il a payé Haïti, Matrovoir, c'est lui qui a organisé hommage national là. Lui a payé Haïti, pressenti, Zamor, al Sénat. Et c'est pas lui-même, c'est pas un terrain, il était grand. Toute hospitalisation sous contenu. Parce qu'il te dit, KMV a son institution, là il parle de Attili, il faut que lui-même comme haïtien, lui baille sa valeur. Mardi Aïbobo. Aïbobo. Maman est si dans cette nuit, et spécialement Papa Nation. Maman. KMV, qui est la Confédération Nationale de l'Église Haïtienne. Et maintenant, tout empereur société, nous, votre serviteur, étant empereur national de l'Église Haïtienne, KMV, notre engagement à cela, mélanger à tous vos gens dans la salle, à la Rombade, pour nous aussi, pour le pays, nos personnalités qui sont dans le sol de vos droits, pour que nous tombions dans la de nous. Mais pour être artiste pour nous, je pense que c'est pas tout le premier ministre qui a pris un engagement pour pareil. Si vous avez un pareil, ça, c'est parce que vous avez mis un sens de l'homme et de l'homme. Ça mérite un premier ministre. Si ça mérite ça, c'est mon nom, nous allons faire plus sur le pays parce que vous avez. Je pense que c'est un petit. Je ne dis pas ex-premier ministre, je ne dis pas chef de l'État qui est parmi nous. Au futur, nous ne mettons pas ça, mais nous mettons le colonne que le fils de cette eau a commencé tout le monde pour mettre un blanc plus toujours que ça le mérite. On a espéré. On a espéré. Aïe, Bobo. Je suis la complétine de l'Isaïe pour me saluer l'ambassadeur Bernoulli, qui est le docteur, qui représente le premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Je me salue l'honorable député qui est dans la salle là. Je me salue le directeur ministère des Cultes là. Toute l'autre autorité, les ambassadeurs, l'ambassadeur de Cuba, l'ambassadeur du Mexique. Le représentant de l'ambassade des États-Unis, bien sûr, à Ti National là, à Père National là, grand serviteur, tous les représentants qui nous aident à Souéa, pour nous dire à Bobo, pour nous dire Ilolo, pour nous dire respect. Dans le monde de recevoir un Africain, et puis la baleine de tribu en Afrique. Et puis il dit même qu'il sortit la tribu mandingue. Mais il dit raconter ça mandingue. Il dit mandingue qu'on a cru qu'il y a deux tribus dominantes. Il y en a les mandingues. Mandéglan, c'est garçon à femme vendant. Ce n'est pas un hasard qui fait dans une zone de Bois-Caïman, côté du sorti, dans mon ouvre, du nord, c'est là que les races mandingues. Parce que c'est là que la vraie révolution contre l'esclavage a été faite. Là, il y a un sous-sous. C'est là où vous avez un nom. C'est Dieu qui va le faire. Mais son
République en Haïti. Vos droits, toujours mettez costume marron aussi. Moi-même, moi, fais 6 ans en marron, on a eu les marrons. On a eu les marrons d'ail. L'obligé caché derrière la Vierge miracle pour servir les évidents. L'obligé caché derrière Jacques Margin pour servir au bouffon. Vos droits, c'est lui-même. Avec toute cette système de santé qui cause nous les malades. Nous tous connaissons les bons rues, les bons fiers, ça veut ma soutien et des antilles. Nous connaissons. Eh bien, on a dit que nous avons fait tomber l'acheter sur les normes, mais peut-être que nous n'avons pas gagné. Pour nous avoir une technologie laboratoire qui vient faire secondaire et qui nous fait nous vague sous feuille pour nous. Bah, ça va passer. Nous avons besoin d'un guerre. Nous avons besoin de tout le militaire d'un guerre. Nous avons besoin d'actifs nationaux et de tout ça, et on a besoin de saluer. On ne peut pas saluer tout. Ils vont se dire qu'ils sont gros en bas. À toute ma rue, qui l'a, Jean-Pierre, c'est tout comme ça. Quand vous faites promotion, patrimoine immatériel de pays. Vous parlez de patrimoine immatériel, vous chantez, vous doit chanter, son chanté qui fait ce qu'on est au pays sorti. Allez, Bobo! Si bataille, vous faites un ennemi qui a fait chez le travail, c'est ça lié. Et ça, je vous dois faire, vous ne pouvez pas jamais demander de nous convertir. Vous devez recevoir tout le monde. Vous devez nous harmoniser avec les protestants. Ou vous devez nous avec les catholiques, vous ne pouvez pas dénoncer le monde. Et c'est ça, vive en vie. Vous devez accepter janvier. Parcourir toute cette soirée. Nous allons, comme vous avez vu, nous allons remettre le chèque annuel au groupe de support contre le cancer qui a été fondé précédemment par des femmes courageuses et qui ont pu rassembler tout le monde pour monter une institution forte que la Chambre supporte et chaque année fait une levée de fonds pour supporter les activités. Deuxièmement, nous allons supporter un autre partenaire de la Chambre qui porte le maillot, qui porte son nom, c'est Caco. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, ils sont maillot, ils sont même écrits sur le maillot, donc sur la chemise, c'est Caco Kids, avec qui nous avons commencé l'expérience depuis le cyclone Mathieu et qui se continue, qui se perpétue dans les différentes activités que mène la Chambre et il a contribué fortement à la soirée du 9 décembre l'année dernière. Et le clou, le point final, va être de saluer deux personnes. Vous entendez tous derrière, ça va? De saluer deux personnes. Une personnalité
nous avons la société Ronda Boncourt et le chef d'entreprise, qui est une femme, qui est Delphine Garbert. Delphine a repris l'activité il y a moins d'un an et nous avons salué Delphine et la société Ronda Boncourt qui a gagné un prix tout à l'heure. Donc on va pouvoir mettre cette soirée en honneur. D'ailleurs, vous avez les cocktails de Boncourt et la présence de Boncourt fortement dans cette soirée ce soir. Je vais commencer par remercier la Chambre qui, vraiment, depuis 3 ans, supporte le GSCC et surtout leur sponsor. Les fonds récoltés ont été commencés en septembre et 2017, merci. Nous avons commencé avec l'aide de la Chevro, la Chambre et IHI, Embedded Works. Un programme de dépistage avec les femmes ouvrières. Nous allons toucher 4000 femmes qui vont être dépistées à l'aide de HPV au travail. Merci. Bon, on va gérer ça après ça. Non, le chèque ça est légal. Non, le chèque ça est légal. Merci, merci à la chaîne. Comme dit le deux, nous ne pas faire ces petits chèques qui sont dans les deux chèques à eux, il y a pas de donc, merci encore à la chaîne. Merci au groupe GSCC. Compliment pour vous. Très bon travail. Et rapidement, je veux dire aussi que Kakowski travaille avec les enfants et à deux niveaux. Au niveau de l'éducation, d'abord, et le sport. Et deux axes, mais l'éducation a la priorité sur le jeu qu'on a maintenant. On va avoir notre propre terrain à Pétionville. Donc le matin, on va avoir les enfants de Kakos Kids et avec 3 sports, volleyball, basket et indoor soccer. Et les après-midi, on pourra jouer. Donc, on a plus de jeunes. Merci. Merci encore à la chambre. Merci encore. Donc, moi, je dis toujours que à partir de 19h, 20h, vous ne m'intéressez pas. Je m'intéresse surtout à des enfants de 12, 13, 14 ans, tête au pinou, qui vont apprendre bien et puis au songer le net. Et puis, un bon enfant, un enfant content, un enfant heureux, un enfant bien instruit, donne justement un bon adulte et qui va donner un bon Haïti. Merci beaucoup. La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie est fière de présenter cette plaque à la Société du Ronda Boncourt qui a gagné le prix de la meilleure distillerie des Caraïbes, prix décerné par USA Today, Tendes. Deuxième femme dirigeante de la société du Ronda Boncourt, je vous remercie d'abord et je suis extrêmement fière de pouvoir aujourd'hui participer à l'image positive d'Haïti à l'extérieur et à l'international. Je tiens aussi à remercier mes collègues, sans qui cela ne serait jamais possible, certains sont ici ce soir, et qui font de Ronda Boncourt une marque internationale et qui, certains d'entre eux, s'acharnent sur certaines visites de la distillerie. Et sans qui ça ne serait jamais possible. Voilà, je vous remercie encore et remercie à la Chambre franco-haïtienne de commerce pour ce prix. Et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir porter Haïti dans notre cœur à l'étranger et de contribuer à l'image de ce pays. La misère qui fait la peau.
union de valeurs. Et parmi les valeurs, il y a évidemment l'égalité entre l'homme et la femme. Donc ça fait partie des thèmes fondamentaux sur lesquels nous travaillons au niveau de l'Union européenne, à l'intérieur de l'Union européenne, dans chacun de nos États membres, mais aussi dans notre politique de développement. Donc avec les pays avec lesquels on travaille, et notamment avec Haïti, on a mis une priorité très importante sur l'égalité homme-femme, l'égalité des genres. Et dans tous nos programmes d'intervention, nous avons une composante genre. Quand on construit une route, un bâtiment, lorsque l'on fait des formations, on veut toujours savoir quelle est la part des femmes dans cette réalisation, dans cette société haïtienne, qu'elles prennent des responsabilités, qu'elles savent exercer ces responsabilités, qu'elles savent faire tous les métiers. On a une femme boss maçon, une femme pêcheur, une femme avocate, une femme politicienne. Donc, dans tous les métiers, dans toutes les fonctions de la société, les femmes sont présentes. Et donc, elles doivent être reconnues pour leur travail et elles doivent pouvoir exercer les mêmes droits, je dirais, et avoir les mêmes responsabilités que les hommes dans la société haïtienne. Si on veut avoir une société plus inclusive, qui fonctionne mieux, eh bien on doit reconnaître ses compétences et ses capacités aux femmes. D'accord, mais il y a un petit peu... Ah, alors le hic. Il s'agit de la jeune femme de qui... Lisa, c'est ça ? La fille derrière. Oui. D'accord, alors je me demande si elle est mineure, est-ce que quelque part, là, il n'y a pas un problème du travail des enfants qui est parfois... Je dirais, il y a un problème de l'accès à l'eau. Ça, c'est le cas que vous citez, c'est un problème d'accès à l'eau. Donc là, dans un quartier de Tissou, je crois que c'était, on a effectivement aidé à reconstruire des points d'eau pour faciliter, pour raccourcir la corvée d'eau. Malheureusement, c'est vrai, vous avez raison, ce sont souvent les enfants et souvent les filles aussi, ou les femmes, à qui on donne effectivement cette tâche de faire fonctionner le ménage et donc d'aller s'occuper de la corvée d'eau, parce qu'on a besoin d'eau pour vivre. Donc ça, c'est une fonction essentielle. Donc on a voulu illustrer effectivement cette l'importance de l'eau et de l'accès à l'eau et de faciliter finalement la vie de ces filles, de ces femmes dans l'exercice de ce travail qui leur incombe. Qu'on partage mieux ce travail, ça serait effectivement une bonne chose, que les hommes fassent aussi. C'est ce débat, comme vous le dites. Il y a trop de tabous, il y a des choses qu'on ne veut pas aborder. Les grossesses précoces, ça reste des problèmes fondamentaux qu'il faut aborder dans le cadre de l'école, dans le cadre de la sexualité. Ce sont des thèmes qui sont importants et ça fait partie de la lutte pour le respect des femmes, le respect des corps. Certificat symbolique, c'est pour l'intégration, pour marquer ce jour, c'est pour l'intégration de ces mentors, de ces femmes extraordinaires qui ont accepté aujourd'hui d'intégrer ce programme de mentorat avec la Fondation. Nous vous disons d'emblée merci. Merci d'avoir fait le déplacement, merci d'avoir choisi d'être avec nous. Je vous demande d'applaudir ces femmes extraordinaires. Aux demoiselles qui sont ici présentes, nous avons ces lettres. Chacune de vous allez recevoir cette lettre, le symbole de votre intégration dans ce premier programme de mandat. Nous avons des associations partenaires. Femmes en démocratie gagne plus de 200 associations partenaires dans tous 10 départements pays. Chaque programme de formation que nous avons fait, nous contacter toute association SAO, quel que soit nous avons besoin de participer dans la formation SAO, c'est l'association dans tous 10 départements qui fait sélection, qui référé nous. Nous avons déjà un groupe de 2000 jeunes que nous avons formé dans tous 10 départements pays. Donc, premier programme sélection 100 jeunes, ça a fait dans mi-temps 2000. Et jeunes SAO que nous t'ai déjà formés. Et au fur et à mesure que nous avons fini avec un premier groupe de 100, nous avons un deuxième groupe de 100, nous avons continué à faire avec l'association. Nous avons des mentorés qui sont dans tous 10 départements. Nous avons qui, bien sûr, à Port-au-Prince. Mais on a remarqué qu'il y a des mentors qui ne sont pas à Port-au-Prince.
Madame Elvire Eugène pas vivre fort au prince. Nous avons d'autres mentors tout qui pas fort au prince. Il y a Madame Caroline Joseph qui là qui vit dans l'Antibonite qui gonaïve. Il y a Madame Maggie qui là qui dans sud dans Torbec. Donc nous avons tout mentors. Vice-président du mentor dans tous 10 départements. Et nous connaissons que il y a téléphone, il y a internet. Si c'est nécessaire pour vous déplacer, pour vous rencontrer, il y a déplacé pour vous rencontrer. Si c'est nécessaire que vous ayez de contact, d'un échange qui fait par mail, qui a fait. Donc c'est un programme que nous avons défini entre mentorio avec mentorio. Chaque mentorio pour le définir même qui capacité que vous avez. Et vous chaque tout bon profil, vous tout pas le même profil. Par exemple, FED, nous travaillons sur l'indépendance financière, autonomie de la femme, nous travaillons sur l'aspect politique là, nous travaillons sur l'aspect genre, nous travaillons sur violence contre la femme, nous avons plusieurs secteurs nous intervenus là-dedans. Donc, on voit que chaque mentor a un bon profil, c'est à partir de profil mentor que nous pouvons regarder qui est-ce que nous avons attribué comme mentor. Donc, c'est au fur et à mesure que nous avons entré dans le programme et puis nous avons connu qui j'ai apprentissage là à faire, même si nous... Que vous nous clairez, ça nous fait noyau. De la journée internationale de la femme, date proposée en 1910 par Madame Clara Zetkin lors de la conférence internationale des femmes socialistes, initiatrice du mouvement féministe et figure éminente de la politique qui s'évertuait à faire respecter les droits sociaux et politiques des femmes. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, à l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Encore pour faire entendre les revendications et adjurations de celles-ci dans le but d'améliorer la situation de ces dernières à tous les niveaux en Haïti. Se propose de porter par devant les autorités étatiques et juridiques les récriminations et revendications de cette classe trop souvent marginalisée. Dans même l'idée femme voyant ça, Sophia Solidarité Femme pour aider Haïti, dans veille jour sacré ça, nous lançons SOS par toute femme qui a subi malhonnête dans la société pour nous unir, nous faire voir nous faire en selle pour arriver côté de river parce que faut que droit femme soit respecté. Sophie a profité occasion ça pour nous parler dans toute femme qui peut parler, pour nous parler dans toute femme qui peut défendre tête en dans société tête en bas ça. Maman petite abandonnée, si machin yo, madame Sarah yo, ouvrier yo et latrier. Sophie a dit faut que droit toute femme respecté. Pour l'éternité, pour mon so respect nous, entraîne nous bouleverser, l'en constater que droit femme a passé en bas pied, à toute qualité de discrimination en dans société. L'en a gardé inquiétude femme yo, pour participer dans la politique, pour yo défendre le pays yo. Sophie a dénoncé, zak criminel sa yo, que femme yo a subi tant coup, kadejak, violence conjugale, violence électorale. Nous dénonçons parce que Sophie a dit qu'il faut que les femmes respectent. Sophie a demandé, jusqu'à les femmes qui sont maman la vie, après rappeler un souffle dans la dégradation et dénigrement des femmes dans certaines musiques dans la société. Ça. Sans compter la couple qui a pris pour couper le souffle de malheureuse, dans le métier de la marché. Ou dans l'irresponsabilité des dirigeants. Sophia a fait connaître que les femmes représentent 76% sur l'économie du pays. Jusqu'il est, nous avons suspendu la place des femmes comme dernier signe inférieur dans la comptabilité du pays. Nous demandons
intégration femme yo dans politique pays ça k'ap déboulonner côté éducation placé en dernière position côté jeunesse pays 370 par jour a quitté pays a pour aller chercher la vie dans l'autre direction nous mandé ministre femme nan à première dame de la république là madame Martine Moïse pour yo prendre bon genre responsabilité yo pour yo permettre femme yo ak jeune yo aller en source sur territoire pa yo sous ça nous même femme solidaire dans Sofia nous dénoncer zak hypocrisie ça k'a fait chaque année sous dos femme yo nous souhaiter yo bonne fête femme chaque année la vie yo c'est un casquette chinois pendant pour yo travail faut yo négocier et la trier Sofia dit non nous c'est femme nous c'est podomitan société a nous c'est bois derrière banane toute femme k'a plité pour l'autre Haïti. C'est pas avec yon volonté qui fait c'est chaque 8 mars yon groupe femme sorti pour parler de femme. Mais nous pensons c'est chaque le ça reste peuple et société en cap banon ti chance pour tendre nous plus. Et avec toute organisation femme nous connaît k'a sorti l'an date ça, nous même l'on Sofia nous décidé sorti avant ça. Yon jour avant qui c'est jeudi mercredi 7 mars là. Si les nous fait l'autre lancement l'autre jour, yo pas jamais qu'à respecter, pas jamais qu'à attendre nous. Nous te profiter choisi date là pour nous une voix nous pour nous parler pour femme qui que yo pas jamais qu'à attendre dans l'autre l'heure. Sofia, gagne un travail côté que définition te déjà expliqué travail nous. Nous c'est une équipe femme qui mettait nous ensemble pour nous lutter pour l'autre qui pas qu'à parler. Parce que tout reste l'autre c'est femme même j'avais nous. Si nous trouvons que nous même yo pas qu'à parler, nous même nous supposons faire travail là. C'est nous là pour nous aider et lutter pour. La suite, s'il vous plaît. Parce que nous ici, nous connaissons trois mots avec deux voix. Si nous faisons, ça veut dire que côté droit nous commencer et côté droit nous finir. Et j'ai appris comme un seul baron en bataille avec monsieur. Mais nous même si nous avons leader pour ce monde, nous connaissons que côté droit nous commencer. Objectif activité ça que plateforme paysan décide organiser en prélude à journée droit femme c'est pour former 120 filles pour être capable de connaître qui ça qui leader qui ça a besoin pour un leader et n'a attendre que capable capable venir des leaders 120 filles ça on a formé qui côté ressorti ressorti dans zone métropolitaine là et fait partie de différentes différents partis qui sont en dans la plateforme et paysan. Mais après ça, est-ce que Mme Sayo va avoir un travail spécifique pour faire dans la communauté ou bien expliquer nous plus? Bon, nous pensons que les WAP en prennent le monde pour leader. Son formation nous fait un prélude avec la Journée internationale et femmes. Donc, qui j'en comprends la journée ça quand venir là, je date 8 mars là, ou même en tant que fille, comment comprendre? Ok, en tant que pense que formation ça que moi-même m'a participé là-dedans pour m'aider mesdames yo, c'est pour m'apprendre que c'est vrai qu'il y a un pile garçon qui leader, mais moi-même moi t'arrête mais on l'a pour moi un pile fille vienne leader, parce que pas un rien qui est capable de leader qui capable faire impact même genre garçon. Nous pas demander pour pas un garçon qui leader, mais nous t'arrête mesdames yo côte à côte avec monsieur pour être capable leader. Et moi-même pour moi-même journée 8 mars là je dis un pile parce que c'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, dans le 21e siècle, en 2018, nous manquons en pile. Nous n'avons pas respecté les droits, nous. En pile, il faut marcher sous pied nous. Et jusqu'à aujourd'hui, le combat pour les droits des femmes est un combat d'actualité. Il faut nous continuer à gommer pour être capable de faire l'égalité sur un pile nouveau. Et je pense que le 8 mars, il faut qu'un pile monde songe que filles avec garçons égales en droit. Qui j'en ai compté mener une bataille ça pour nous arriver à atteindre l'objectif que vous parlez là. Nous continuons à faire formation parce que formation son bagage plateforme paysan quoi la donne. Et moi-même en tant qu'activiste, moi j'étais quoi que
formation c'est plus bon moyen pour inculquer un monde en bagage. C'est pas venir chita parler l'école avec ou bien marcher dans la rue aller en moi, mais faut qu'on pour qui ça va pas aller en moi là. Faut qu'on capable connaître comprendre qui combat va mener, qui gens ouvre mener combat et c'est ça leadership là. M'pap di li ne me ou ka akiril. Ok? Donc c'est ça que nous avons essayé de faire ensemble avec mesdames yon dan la. Ils sont gardés en dan, ou pour yon des jeunes, des moins jeunes. Mais ça va empêcher que yon même, yon ka vin formé tête yon, pour yon ka vin des leaders. Mais formation ça que nous avons, est-ce que nous spécifions son acte bien déterminé ou tu m'as? Comment ça, nous avons formé pour yon leader? Action, c'est former mesdames yon pour yon ka comprendre qui ça qui leadership féminin et pour eux même pour manifester une envie un désir pour eux même pour venir des leaders pour communauté yon. Donc et plateforme paysan quoi dans ça nous quoi dans formation nous organiser plusieurs formations pas seulement en prélude à des journées internationales Jean pile monde fait mais nous même nous toujours fait nous gain parti politique paysan qui c'est une entité dans plateforme là qui chaque année organise une université d'été et nous gain l'autre nous gain Cenasep qui est un centre de formation lui même tout qui toujours fait des formations pour les jeunes et moins jeunes. Jeunes ça qui côté ressorti aux immenses c'est formel. Yo sorti tout partout dans pays hein, nous gain qui sorti dans des villes de province pays hein, nous gain qui sorti dans des villes de province, gain tout qui sorti dans des zones métropolitaines. Activité ça c'est une plateforme Corée la vie. Qui gagne une entité qui en dedans c'est Espace Femme, c'est 8 thèmes de sensibilisation sur la vie des femmes haïtiennes. Thème central nous c'est la société haïtienne et la vie des femmes. Nous avons commencé 1er mars et demain a fini qui c'est 8 mars là. 1er mars nous avons une conférence de presse qui était dans le local nous 84 avenue Magloire-Amboise. 2 mars vendredi 2 mars nous avons gagné femmes haïtiennes vie sociale au cours de la grossesse suivie pré et postnatale. C'était docteur Chantal Sauveur Junior Datus, directeur médical maternité Esaïe Gentil dit Chancerel qui était intervenu pour nous et nous avons gagné honorable Dieudonne Luma sénateur de la République qui était ensemble avec nous c'est dans l'IMAS Delma 40B. Lundi 5 mars 2018 nous avons gagné comme thème la vie des femmes haïtiennes dans les petites et moyennes entreprises, les marchés publics et dans la paysannerie. Intervenant que nous avons gagné c'est Maître Valérie Dutreuil de la petite enfance en Haïti, rôle de la famille et responsabilité de l'État haïtien. Comme intervenant, nous avons gagné Maître Lionel Maxi, officier d'État civil commune de Delma, et nous avons gagné psychologue Francillon de laboratoire de santé mentale, qui a intervenu sous thème ça. Jeudi mercredi, nous dans l'IMAS, femmes haïtiennes et la prostitution, c'est thème ça qui débat Kouniala. Nous gagnons professeur Auguste Demeza qui est ensemble avec nous et nous gagnons des représentants de OPC qui est ensemble avec nous. Jeudi 8 mars, qui c'est demain si Dieu veut, nous gagnons comme thème culture haïtienne et la femme et l'harcèlement sexuel. Comme intervenant, nous gagnons magistrat Gerta Elias qui c'est un juge de siège et nous gagnons Anne-Marie Issa qui c'est un entrepreneur. Demain si Dieu veut, c'est dans l'hôtel El Rancho, Salbe. Donc, qui nous vaut, misère, tribulation monde qui dans commune ça pour être capable de garder bien fondé démarche nous en tant que militant politique responsable après toute rencontre je t'ai parlé avec Kobi Nord ensemble l'autre organisation dans le département Nord Paramor, association Femme Nord qui couvre 10 ans par au prince et l'atelier, nous sentons de nécessité encore, plus que nécessité, pour nous demander, président Jovenel, pour forcer, contraindre Premier ministre Jacques Guy Lafontaine à bail de mission comme Premier ministre. FAECJ, plateforme haïtienne pour le renforcement de la vaccination.
Au groupement d'à peu près au 31 d'organisation de la société civile et qui a la donnée toute qualité de groupement et professionnel et non professionnel. La donnée nous avons un groupement femmes, nous avons une association professionnelle, nous avons l'école supérieure, etc. Nous faisons représenter dans 10 départements pays. Et puis, nous avons été créés en 2013 et avec une mission de contribuer à une couverture vaccinale efficace et équitable visant l'amélioration de la santé maternelle et infantile et le renforcement du système de santé en Haïti. Et qui j'en espérais atteindre le but que nous fixons c'est en faisant essentiellement, en utilisant trois approches. Notre plaidoyer pour couverture vaccinale augmenter à travers pays. Nous fait promotion vaccination complète témoignaux à travers mobilisation sociale dans différents départements géographiques d'Abédavenir. À travers la mobilisation sociale pour amélioration non seulement vaccination mais système de santé pays la reine. Après création en 2013, nous avons réalisé un peu l'activité. D'abord, nous avons visité toutes directions départementales, directions sanitaires départementales. Nous connaissons que le ministère de la Santé publique, une direction départementale, chaque département géographique pays, pour faire connaître sa faille et que faille décider de faire un recrutement pour faire mobilisation sociale, non vaccination. Et puis nous, à l'invitation du ministère de la Santé publique et de la population, plus précisément de l'unité de coordination de la vaccination, nous avons pris une rencontre nous faire avec eux, que aucun de nos cours qui ont vaccination à développer, qui côté un problème. Quelquefois, c'est eux qui disent qui côté ont besoin de faire un coup de main en matière de mobilisation sociale. Après, c'est là un petit moment pour me dire, nous ne pas bailler vaccin. Parce que le ministère, où nous s'est fait, c'est inciter les gens, c'est mobiliser les gens pour mener les gens pour le vaccin. Non seulement mener les gens pour le vaccin, mais pour mobiliser les gens pour respecter les gens pour les gens pour le vaccin. Et nous, 9 départements, c'est ça? Dans 8, dans 9, 9 départements géographiques, hein? À l'exception de la Grandance, avec Grandance, il y a 9 départements, c'est ça, pour faire une campagne de, et appuyer le ministère dans sa affaire, c'est-à-dire faire mobilisation sociale, encourager mon domaine à le vaccin. Et puis pas encourager au seul mal le vaccin pendant la campagne, mais après la campagne, l'autre vaccin est obligé pour mener à bien. Si nous obligés de faire, Haïti en tant que pays obligé de faire la campagne ça, pour différer, c'est parce que la couverture vaccinale est trop bas. Ça fait ça arriver. Donc nous sollicitons appui la presse au nom de FAE pour les deux ministères dans ce qu'on va faire. Pour encourager mon gouvernement. M'apprêtez là un petit moment. Une mission FAREV qui s'est fait plaidoyer, fait sensibilisation, fait mobilisation communautaire. Plaidoyer auprès des autorités politiques du pays. Parce que si couverture vaccinale là-bas, nous-mêmes FAREV, nous baillons nos missions pour nous encourager l'État pour le mettre fonds dans le budget. Dans le budget public, là, dans le budget pays, pour qu'il y ait des gens qui ont vaccin. Les gens qui ont vaccin sont des gens qui sont importants. C'est des gens qui font de 0 à 1 an. Pour qu'ils connaissent que les gens entre 0 et 1 an, ils sont faits pour prendre le vaccin. Après, à partir des gens de 0 à 1 an, c'est les femmes enceintes. Pour toutes les femmes enceintes qu'on est pour qu'ils prennent 2 doses de vaccin que ils sont supposés prendre. Nous-mêmes, dans le cadre de sensibilisation, nous sommes avec des familles, nous sommes avec des individus, nous sommes avec des communautés. Nous avons 4 ans depuis notre travail dans le pays, en silence, mais nous marchons
nous faisons porte à porte, nous faisons un pile travail pour sensibiliser les gens pour voir à prendre un vaccin. Jean-Docteur Karina dit nous, il ne fallait pas faire le vaccin. Mais nous là pour nous faire les gens connaître le droit pour prendre un vaccin. Et pour l'État mettre le vaccin à disposition pour prendre un vaccin. Maintenant, il y a des cas qu'on pose pour sensibiliser les gens, pour voir dans le centre de santé, et pour arriver dans le centre de santé pour ne pas avoir le vaccin. C'est dans le cadre de ça, nous avons besoin de la presse, nous avons besoin de chaque citoyen haïtien pour faire développer la sensibilité citoyenne, pour connaître que à la base, si nous avons fait pour le vaccin, pour être en santé, et nous avons besoin de vaccin pour vivre. Pour si nous avons vacciné complètement, il supposé prendre toute dose de vaccin. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que nous avons venu, il prend vaccin, il baille si nous avons vaccin. Il connaît que si on a vacciné, non, il ne peut pas vacciner. Tout en pas prendre toute dose, il prend vaccination complète là, il ne peut pas finir de vacciner. D'après les résultats EMUS, pour l'année 2016-2017, la couverture vaccinale là, il est entre 41 et 42%. Ce n'est pas normal que nos pays, c'est 41%, alors on parle de la couverture générale. C'est à 41% que les gens sont vaccinés. Alors que à l'échelle mondiale, pour considérer que les gens sont vaccinés, que vaccination est fiable, il faut que les gens 80%, nous-mêmes, nous avons à peine moitié de ça que nous demandé pour vaccination. Alors c'est pour ça que nous sensibilisé. Quand nous arrivons dans la phase, nous faisons sensibilisation dans la famille, nous faisons sensibilisation dans la communauté, nous faisons quelques sensibilisations. Quand nous avons cette phase par la presse, nous venons inviter la presse pour courir la vaccination. Ce n'est pas courir et faire mon vaccin. Faire mon connaître que le vaccin est important, l'important pour nous prendre toute dose de vaccin. Et pour chaque femme enceinte prendre une dose de vaccin que vous avez besoin de prendre pour nous connaître notre population en termes de santé qui est fiable, qui respecte le droit à la santé, qui respecte le droit de l'enfant à la vie. Alors c'est ça qui fait Farev à opérer là pour nous. C'est un tirage de taille, nous les pas hasard qu'on s'arrête bon nous, mais nous y'a fait une basse mise en pile. Bon, eux disent nous qui s'est passé, mais t'as comme ça pas fait une clé à eux de ces réservations hôtel là pas fait. C'est sa cause qui nous tournait. Elle dit hôtel que nous devons aller à réellement, hôtel là c'est salier vraiment, mais ils dit que l'argent pas payé, réservation pas fait. Mais combien de monde qui était dans une situation pareille à Capola? Bon, nous étions là en 62. Qui était arrêté. Mais vous étiez en valet déjà tout tourné. 62, mais je dis, vous rentrez. À combien de monde vous rentrez dans l'avion? Avec 62. Okay. C'est 62 personnes qui sont concernées qui rentrent jeudi. Bon, dans le cas ça, vous avez pris chance pour aller dans le pays Chili pour aller chercher une autre vie. Et, mais c'est, on dit c'est cas ça, vous arrivez. Et où joindre qui ça ou qui pensait au jour aujourd'hui hein? Bon, eh bien, comme je veux me donner la caille, vie a pas fini, la vie continue. Nous pas sorti encore, c'est là qui nous a arrêté. Pour nous t'apporter sorti, monsieur Andayo, je sécurise nous là, coller sous nos dits. Je coller sous nos dits comme si dire c'est sauvé, nous t'avons sauvé, non. Et pas encore, c'est ça pour nous qu'a sauvé rien. Ok. Mais on va dire qui ça que t'as fait ça et qui, pour qui ça que papa nous accès pour nous ta sortir dans l'aéroport là et prendre destination côté de Gabonale. Bon, je pas dire nous pour qui raison, mais juste y a qu'un bénou. Y a qu'un bénou. Juste c'est où qu'on est dans qui cause qui y a qu'un bénou. Est-ce que vous comprenez? Bon, à partir de là encore côté nous coucher là et sous bon à coucher et puis dans prise là t'es encore bon pas rien dormi. Est-ce que vous comprenez? Pas rien dormi pour nous. Là, bon dans prison nous et pour même. Et dans la prison, on est là. Parce que si on ne pas sortir, on ne pas sortir de là, on est dans le côté qui frise. Et comme si ils sont morts, oui, ma peine m'entrer là. Moi, avec M. Sa, nous ensemble. Nous ensemble, nous entrer là. Bon. Donc, situation, moi, j'ai un cousin derrière qui est très encouragé. Moi, j'ai dit, cousin, vous m'êtes venu, créez possibilité, vous m'êtes venu. Donc, je m'appelle de où. Je me dis, mais pas un problème.
Donc, je suis arrivé, je fais un pays billet. Hein. Donc, je fais un petit check. Peut-être si après, je suis comme proche là, comme des cas. Mais ça n'a pas réalisé. Je suis obligé de battre moi encore. Et en deuxièmement, je dis moi que c'est réservation tellement pas bon, que bien bon. C'est réservation tellement pas bon, bien bon. Même là, je suis gagné deux, moi, je ne peux pas permettre moi. Moi, je ne peux pas permettre moi. Pour me retourner. Même je n'ai pas de vision là. Je suis dire, et c'est balancer toujours. Balancer toujours sur cette situation. Même pas dire que si on est là, on a un moyen qui va le payer. On a dit que le Chili va le payer, on va le payer.